Salut tous les amis, c'est Crash White pour une nouvelle vidéo. Je suis avec Restia. Salut mec. Salut. Vous me verrez, je crois que vous me verrez quasiment jamais, à part peut-être dans les motovlogs, être tout seul sur un jeu vidéo, parce que j'aime pas trop faire des vidéos tout seul. Parce que voilà, ça fait comme si je n'avais pas d'amis. Bah oui, voilà. Écoute. Aujourd'hui, on est sur Black Ops 3 Zombies. Et en fait, je voulais en fait juste vous parler de quelques petites choses en fait qui se passent sur YouTube. Je sais pas si c'est pareil pour toi, Tim. J'ouvre la porte, écoute. Ok, bah je vais prendre la bête. Je sais pas si c'est pareil pour toi, Tim, mais ça m'est arrivé récemment en fait de me dire. Enfin, c'est pas de me dire, c'est un peu une peur que tu as de faire des contenus que les gens n'aiment pas en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, alors on peut constater la vérité de la. Ah, d'accord, j'ai oublié de configurer ma touche pour le couteau, c'est très mauvais. Ouais. Oui. Alors, je me souviens plus. Bon, oui. Mais oui, c'est vrai qu'il peut arriver le fait d'avoir peur de faire du contenu qui ne plaît pas. Mais moi, je pense avant tout qu'il faut faire un contenu qui est plutôt original. C'est-à-dire qui n'est pas fait énormément par les youtubeurs plus connus. Mais bon, on fait du Call of, donc c'est. Voilà. Ah, c'est. Voilà. Mais ce que je vais dire, c'est les gens, enfin, pour ma part sur ma chaîne, les gens. Attention. Alors ça, c'est le dernier zombie, je crois juste. Il faut que t'ailles prendre la bête et tu actives la grue. Alors oui. Prends juste l'aggro, je dois juste configurer mes petites touchettes. Il est où ? Ce que je vais dire, c'est que les gens sur ma chaîne se sont principalement abonnés grâce à ma vidéo setup. Donc j'ai envie de dire, enfin, les gens avant les 570 abonnés, je vais dire, enfin après les 570 abonnés. Donc j'ai un peu, en faisant des vidéos de gaming en fait, j'ai un peu l'impression que c'est pas ce que les gens veulent voir sur ma chaîne. Et des fois quand je réalise des choses, j'hésite à les upload parce que je me dis que c'est pas ce qu'ils veulent voir quoi. Et j'ai peur que genre tout le monde se casse et que... D'accord, il y a quelqu'un sur moi, ok, alors attends, je le tue, ne le tue pas, voilà. Oui, je vois, mais moi je pense avant tout il faut faire quelque chose, tout d'abord pas copier exactement ce que les gens font de base. Mais c'est même pas une copie en fait, c'est parce que moi j'aime bien faire ce que je fais là, enfin... Oui, mais surtout, avant tout, je pense faire quelque chose qu'on aime. Parce que c'est important de... Parce que si on fait quelque chose, ça juste pour le buzzer et puis rien d'autre. T'as pris la truc en haut ? Non, oui, c'est ouvert, il faut que tu t'actives juste la grue. Ouais, c'est bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Ouais, d'un côté, tu vois, ça fait... tu fais ça pour le plaisir, surtout, enfin, en tout cas pour moi. Mais, enfin, pour toi aussi, je pense. Moi aussi, pour ça, surtout, que j'aime me définir un horaire, mais j'aimerais pas non plus... si un jour, je n'ai pas envie, qu'il fait partie de mon horaire et je n'ai pas envie de faire de vidéo, et ben, je vais pas me forcer à en faire une. Enfin, oui, à ce moment-là, si j'agrandis ma communauté petit à petit et tout... Il faudra bien que je m'y mette, mais pour l'instant, je pense que c'est facultatif, disons. Oui, mais c'est même pas trop ça, c'est même pas une question d'horaire, parce qu'en vrai, l'horaire, je ne suis pas du tout. Hein. Je m'étais dit une vidéo tous les deux jours, mais pff, voilà. Ouais, mais tu t'en fais quand même régulièrement, en tout cas une fois par semaine, t'essayes de tenir au moins ton... Moi, ça fait bientôt deux semaines maintenant que... Oui, mais après... Ah ouais, c'est vrai, mais après, ça rentre aussi dans la question de... J'aimerais pas décevoir un peu ceux qui me suivent en fait, si tu veux. Ouais, voilà, mais je trouve que il faut pas se forcer à faire une vidéo si on en a pas envie pour l'instant, et si on se dit ouais, je vais faire de la merde quoi, parce que il faut être motivé pour pouvoir faire une vidéo, et puis ça c'est clair. Bah écoute, on fait une vidéo sur la motivation de faire des vidéos. nous sommes motivés actuellement, vous pouvez le constater. Alors je sais pas où est le dernier zombie par contre je me suis fait niquer. Je l'ai perdu. Par contre, est-ce que tu as fini le rituel? Ouais, oui, je crois. Il est terminé. D'accord, alors écoute. Non, mais c'est même pas. Mais parce que moi ça me fait vraiment plaisir de réaliser des vidéos et tout, mais des fois genre il y a certaines vidéos qui touchent moins que les autres. Et c'est des vidéos que j'aimerais pas. Enfin. En même temps j'aimerais bien faire tout. Mais sur une chaîne à thème un peu comme la mienne, c'est un peu difficile. Genre, oula, il se met à courir, attention. Vénère. Genre si tu fais une chaîne de gaming comme la mienne, tu peux pas commencer à faire d'autres types de vidéos. Bah tout dépend après, parce que après si c'est
Après, c'est clair que la chaîne peut évoluer, ça c'est clair, mais. Enfin, voilà. Parce que, par exemple, prenons un exemple. Là, j'ai beaucoup l'impression. Là, j'ai un peu beaucoup l'impression que les gens s'abonnent beaucoup pour ma vidéo un peu setup. Enfin, je dis pas que c'est le cas, hein. Enfin. C'est vrai que ta vidéo setup a fait beaucoup de succès, mais parce de toute façon les vidéos setup font beaucoup de succès parce que Oui, mais après, je me dis, les gens, ils veulent voir de la technologie, du coup, tu vois. Donc, je pourrais faire genre des unboxings et tout. J'ai beaucoup de matériel quand même. Enfin, oui, bon. bah écoute, moi je trouve c'est une bonne idée de faire de varier un peu les choses sur sa chaîne parce que c'est vrai que le gaming c'est vraiment bien. Enfin, moi personnellement, c'est ma passion et tout, C'est ça, après mais c'est. en faire trop, à un moment, les gens peuvent en avoir marre et tout, et puis. Après c'est. Enfin. C'est facile de dire de devoir varier un peu son contenu, mais c'est pas si facile que ça à réaliser. Parce que. Si vous voulez, par exemple, si ma chaîne est axée sur Black Ops 3, ce qui est un peu le cas en ce moment, tout d'un coup sortir des vidéos un peu sur tout, ça va sortir du thème de la chaîne, et ceux qui sont sur ma chaîne pour voir ce genre de vidéos. Veulent pas forcément que je change de contenu, alors que moi j'aimerais un peu faire plaisir à tout le monde, mais c'est pas trop possible quoi. Et je m'étais pas rendu compte avant, mais maintenant, enfin, comme j'avais dit dans ma vidéo sur mon motovlog là, c'est même si j'ai qu'une communauté de 20 personnes, j'aimerais vraiment être connecté avec vous et faire des trucs qui me fait plaisir, qui vous fait plaisir, et c'est pas forcément simple pour tout le monde quoi. Enfin, c'est pas simple à réaliser des On fois. a passé une manche directe comme ça. On a pas assez d'argent pour ouvrir la porte en fait. Oh, on est pauvre. Attends, je peux tenter le truc du. Yes. Viens. Il me semble que. Voilà. Non, est-ce que t'as une feuille, toi, sur le rebord? Sur le rebord? Sur la petite caisse, là. Non, j'ai rien, j'ai les cintres. Ok. Ah, va ouvrir Bah. alors, Ouais, écoute. parce que je viens de gagner un peu d'argent. Mais je sais pas si j'ai assez. Si, t'as On 6000 fait le balles. waterfront? C'est égal. D'accord. Mais ouais, ça fait un peu partie des choses que qui est un peu. T'as pris la bête? Non, je vais la prendre. Après, il faut être. Ce qui est clair, c'est qu'il faut être assez actif sur sa chaîne aussi. Donc, Bon, moi, moi. étant donné que je gère deux chaînes actuellement, c'est un poil compliqué pour moi. D'ailleurs, il faut que je reprenne absolument mon activité sur ma deuxième chaîne parce que celle-là, elle marche bien. Du coup, autant continuer. Je vais essayer de reprendre un peu d'activité. C'est juste en ce moment, j'ai beaucoup de travail. Mais vraiment, beaucoup, quoi. C'est vraiment pas, j'essaie de trouver une excuse et tout. C'est vraiment assez gavant d'avoir énormément de travail comme ça, mais c'est comme ça, quoi. Et puis, on peut pas grand-chose. T'as pris la bestiole, là. Ouais, j'ai ouvert, il faut que tu ailles ouvrir la porte de. Comment? Putain, du port. Pour le rituel. Alors, attends. Bon, après, Eh c'est. bien. Après, ta chaîne, c'est du promotion, donc c'est surtout du motion design. Donc, Ouais, je sais, t'as mais un peu moins peur que nos contenus te plaisent pas aux gens, quoi. c'est le seul problème, c'est que Tu peux aller ouvrir? ouais, le seul problème, c'est qu'il faut que je prenne la ah ouvrir la porte. Attends, t'as réussi à avoir la ouais, c'est bon. Le seul problème, c'est que ça fait, je crois, maintenant presque un mois bientôt que j'ai plus refait de vidéos sur cette chaîne, et puis j'aimerais vraiment pouvoir reprendre parce que il faut quand même avoir un certain, surtout pour ce genre de chaîne, il faut vraiment avoir un. Tu Attends, peux aller ouvre la salle du rituel. Ouais, je comprends, mais disons, si tu veux une vidéo de. Enfin, c'est mon point de vue après, hein. Si tu veux une vidéo de musique peut durer un temps entre guillemets illimité sur YouTube, alors qu'une des vidéos gaming, il faut que ça soit mis à jour tout le temps par rapport à. à l'actualité. Non, par rapport à ce que demandent les gens surtout. Et une vidéo, quand tu fais une. Comme la nôtre, là, comme la vidéo qu'on fait maintenant, elle va pas durer éternellement si tu veux. Dans le sens où la chaîne va évoluer et puis le contenu avec. Alors que les vidéos de musique que t'as publiées il y a 2 ans, on peut toujours avoir autant de plaisir à la regarder, entre guillemets, enfin plus à l'écouter
que le moment de sa sortie, quoi. Ouais. Bah ouais. Enfin voilà, c'est pour dire. D'ailleurs, on a oublié de préciser exactement qu'est-ce qu'on faisait actuellement. On est sur du zombie sur Black Ops 3, ça on l'a dit, mais. Moi je pense qu'ils l'ont plus ou moins remarqué, hein. Ouais, ouais, je pense, mais. Juste préciser qu'on tente de faire le pack-a-punch parce que. Pour l'instant, bête, hein. Pour l'instant, c'est le seul secret. Ah oui, c'est juste. C'est le seul secret qu'on sait vraiment faire, donc. Ok, alors attends, cours parce que là je dois reload. Fais gaffe derrière toi. Ouais, je vais prendre l'aggro. Oh pute! C'est vrai, t'es pas mort, j'espère. Non, non, mais pas passé loin. Bon, pas de concentration. Pas... Hey. Non, allez, sondez. Oh. Hein. Sauf moi pas. Hein. Ah, ok. Bon, bah, on n'est pas allé très loin. Bah c'est pas grave en fait, c'est pas une vidéo axée sur ce qu'on a fait en in-game quoi. Ouais, on voulait vraiment parler de tout ça, etc. Enfin, dites-nous ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur rejoindre Aeros, j'avais des petits coups de lag, je risque d'en avoir toujours sur cette vidéo, parce que Myrilis fait n'importe quoi. Donc désolé si c'est le cas. Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Team, je la mets en description. En moi dire. Ouais bah écoute, manger du fromage c'est bon pour les os et puis voilà. Allez salut hein. Ouais.